Alors bonjour, je m'appelle Luc Cerdan, je suis parti du tennis club de Primrose depuis 4 ans et cette année Jean-Baptiste Perlan, le directeur du tournoi, m'a demandé de m'occuper des ramasseurs de balles. Donc il a fallu les gérer pour l'ensemble de la semaine. Cette année on a récupéré 45 enfants. Donc, on a fait 2 journées de formation en amont pour voir à peu près le niveau des différents enfants. Cette année on a eu beaucoup de chance puisque la plupart des enfants qu'on a pu recruter, ils avaient fait Roland Garros en amont, donc j'en avais une quinzaine, ce qui m'a permis aussi de déléguer un petit peu le travail. Et donc mon rôle principal est surtout durant l'ensemble de la semaine de faire l'organisation, que ce soit au niveau des repas, le matin, faire les groupes, leur donner leur planning pour l'ensemble de la journée, et puis aussi faire un peu la police pour voir qu'ils se dispatchent pas trop dans le village et qu'ils respectent aussi les règles. Donc, et tout se passe bien jusqu'à présent? Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai discuté avec le superviseur, avec aussi le responsable des arbitres qui m'indiquait que cette année, le niveau était très très bon, donc on est très satisfait. Pour les ramasseurs qui feront la finale, comment on fait le choix? Après, on a quand même un système de notation, donc j'ai 2 accompagnements. J'ai 2 accompagnants qui s'occupent justement avec moi de les noter sur l'ensemble de la semaine. Donc ça va être un peu au mérite, ça va être les meilleurs ramasseurs feront partie forcément de cette finale.